Bien, merci beaucoup et merci beaucoup à l'association Thucydide, puisque étant intervenant, j'ai l'immense plaisir et de vous saluer et d'avoir une chaise, ce qui semble être rare, sans coussin. Sans coussin certes, mais confortable, et je vous en remercie. Bien, je vais donc essayer de vous parler rapidement de ce sujet qui m'a été commandé par mon cher éditeur, à savoir de parler des barbares à travers la longue durée et de se poser la question de savoir s'il y a eu des invasions barbares. Alors effectivement, quand on parle d'invasion barbare, on pense à ce que l'on a appris à l'école, qui n'est plus tellement présent d'ailleurs dans les programmes scolaires actuels, mais qui était encore là il y a une vingtaine d'années, à savoir qu'on passe entre le 3e siècle de notre ère d'un empire romain monolithique avec ses provinces, son organisation, ses villes, à un espace tout à fait différent, un espace qu'on appelle les royaumes barbares en Occident, avec des Francs, des Visigoths, des Ostrogoths et toutes les insultes du capitaine Haddock qui sont placées sur la carte. L'idée étant que pour passer d'un système à l'autre, il faut visiblement qu'il y ait eu un événement majeur. Cet événement majeur, c'est le phénomène barbare, auquel on donne généralement une date, à savoir la déposition du dernier empereur romain d'Occident, un certain Romulus Augustule, dernier empereur, nommé en 475, il a 11-12 ans, déposé en 476, et... Après Romulus Augustule, on a l'impression qu'on entre dans un monde tout à fait différent. Après l'ordre, la barbarie. Alors, pour expliquer ce phénomène, bien entendu, il faut qu'il y ait des invasions, il faut qu'il y ait des migrations, il faut qu'il y ait des flèches qui traversent l'Europe. Et un peu partout, vous trouvez cette carte des grandes invasions, jusque dans la dernière planche d'Astérix chez les Goths, où vous avez une réflexion sur ce qu'a pu être l'invasion barbare à travers le temps. Alors, le problème, bien entendu, c'est que quand on pose la question des invasions barbares pour cette période très particulière, c'est-à-dire la fin de l'Empire romain, entre le 3e siècle, mais surtout 4e, 5e siècle, et le moment où les royaumes se reconstituent et on recommence à avoir beaucoup de documentation au 6e siècle, il faut d'abord poser la question de savoir avec quoi on va faire de l'histoire. Quelle source ? Bien, il faut bien avouer que pendant ces deux siècles, pour l'Occident, et notamment pour l'Europe occidentale, on a vraiment très peu de choses. Extrêmement peu de choses parce que, pour notre grand malheur, les gens écrivaient sur papyrus. Le papyrus a de grandes qualités, c'est pas trop cher, ça a permis d'écrire bien. Le problème, c'est que ça ne supporte pas l'humidité. Autant dire qu'en Égypte, on va en trouver, chez nous, non. Deuxième problème, les gens des 5e siècle écrivaient comme des chats. Ou pour être exact, avaient une écriture que nous appellerions très particulière, qui est une semi-onciale romaine, qu'ils estiment être très belle, mais qui est complètement illisible, vous le constatez. Tellement illisible qu'au 8e siècle déjà, à l'époque de Charlemagne, vous voyez qu'un malheureux lecteur qui habitait dans la région de Lyon a essayé de lire ce texte, qui est quand même une des lettres sur le baptême de Clovis, et n'y a déjà plus compris le moindre mot. Et donc, vous voyez entre les lignes, le malheureux lecteur qui a essayé d'écrire dans sa propre écriture ce qu'il arrivait à lire d'une lettre du 8e siècle. Sachant que la quasi-totalité des papyries de cette époque-là a disparu, nous n'avons que la copie de ces textes-là par des gens qui n'y ont rien compris. Autant vous dire qu'on travaille avec des documents qui sont relativement minces. Tellement minces que ça pose des problèmes énormes. Par exemple, le mythe de... ou la réalité, je ne sais pas, puisqu'on va discuter de ça. De la grande invasion pour notre région, pour la France, c'est basé essentiellement sur une lettre. La lettre de Saint-Rémy à Clovis, qui écrit, donc l'évêque de Reims écrit à Clovis, « Un grand bruit est parvenu jusqu'à nous, vous avez pris le pouvoir selon le droit de la guerre. » Effectivement, vous arrivez à lire sur ce manuscrit qu'il y a écrit « Secundum bellicae », quelque chose qui en latin peut vouloir dire « selon le droit de la guerre ». Mais c'est là écrit par un copiste qui n'a rien compris à ce qu'il lisait. Dans la marge, il a mis des grands R parce qu'il ne comprenait pas. Quand il ne comprend pas ce copiste-là, il met R, ça veut dire chercher en latin. Et il est très vraisemblable que la vraie lettre disait « Un grand bruit est parvenu jusqu'à nous, vous avez reçu le gouvernement de la province de Belgique seconde ». C'est-à-dire que Clovis était simplement un gouverneur romain tout à fait normal. Selon la façon dont vous lisez le texte, bien entendu, vous comprenez qu'il y a grande invasion ou qu'il n'y a pas grande invasion. Et c'est donc avec, pour ainsi dire, rien en matière de texte que je vais essayer de vous tenir une heure. Le problème est que, d'habitude, les historiens des textes expliquent que, eux, bien entendu, ne savent pas, que tout est mythe, mais que les archéologues, eux, ont des réponses.
Les réponses des archéologues sur les grandes invasions, malheureusement, sont pas véritablement des réponses, mais des questions, dans la mesure où là non plus, il n'y a pas grand-chose. Pour être exact, si vous posez la question, par exemple, d'un phénomène majeur des grandes invasions, qui est le baptême de Clovis, vous conservez du baptême de Clovis un conduit d'évacuation de 1,20 m, qui correspond au conduit d'évacuation de la piscine dans laquelle Clovis a été baptisé, mais la piscine, il n'y a plus une pierre. Donc on peut supposer qu'il y a eu piscine, parce qu'il y avait un système d'adduction d'eau. Et c'est avec ça, là encore, que les archéologues vont se poser la question de la présence ou de l'absence de barbares, des phases de destruction ou de l'absence de phases de destruction, sachant que toutes ces constructions ont eu du succès et que si on n'a plus les bâtiments du 5e siècle, c'est que généralement, les bâtiments des 6e, 7e, 8e siècle ont remplacé tout ce qu'il y avait à cette époque-là. Donc, les temps barbares, c'est avant tout une question de la façon dont on construit l'histoire. Et c'est là-dessus que je voudrais commencer. C'est-à-dire que les temps barbares, d'abord, on les raconte. On les raconte avant même qu'il y ait des invasions barbares. Vous n'avez pas véritablement besoin que les barbares soient chez vous pour pouvoir présenter les invasions barbares. Les premières représentations de barbares, vous les trouvez sous les semelles des sandales de Toutankhamon. Vous voyez qu'il y a la représentation de 9 arcs sur les sandales de Toutankhamon avec des peuples voisins de l'Égypte que le pharaon, qui était boiteux, pouvait piétiner tranquillement dans le confort de ses sandales luxueuses. Il s'agissait à tout prix de montrer que la civilisation, c'est le fait d'écraser la barbarie. Et vous avez, dès les premières attestations en Égypte pharaonique, l'idée qu'il y a 9 ennemis traditionnels de l'Égypte, des barbares. Alors ces 9 ennemis, la liste change bien entendu selon les ennemis réels, selon les situations réelles, mais il y a forcément une opposition systématique entre civilisation et barbarie. Dans les 9 arcs, il y a des peuples qui n'existent pas historiquement. Mais c'est pas grave, pour atteindre le nombre canonique, on trouvera toujours des barbares. Les Grecs qui vont développer le terme de barbarie, la notion même de barbaroi, c'est eux qui l'inventent à partir d'une onomatopée. Le barbare, c'est celui qui parle pas comme vous, qui fait barbare. Ils vont avoir besoin de le préciser ce qu'il est exactement. Les Grecs, à la différence des Égyptiens, ont une approche très rationnelle des choses. Le barbare, c'est quelqu'un qui n'habite pas à l'endroit où vous habitez, et donc qui est différent, parce qu'il ne vit pas dans le même climat. À partir du 5e siècle, se développe, pour expliquer la barbarie, ce qu'on appelle la théorie des climats. C'est pas n'importe qui l'invente, c'est Hippocrate, le père de la médecine, qui explique doctement que plus vous allez au nord, plus le sang a tendance à se concentrer dans le corps, et donc plus vous allez au nord, plus les gens sont forts, plus les gens sont courageux, plus les femmes sont fécondes. Et déjà, il évoque la fécondité extraordinaire des femmes de Scandinavie. Par contre, quand vous allez au sud, il y a moins de sang, donc les gens sont moins féconds. Par contre, quand vous allez au nord, comme il y a beaucoup de sang dans le corps, il y en a très très peu dans la cervelle, donc les gens du nord sont complètement crétins. Au sud, ils sont intelligents, mais ils sont lâches, bien entendu. Ces conceptions, qui sont des conceptions scientifiques au sens grec du terme, sont reprises par le père de la philosophie, Aristote, qui explique que les peuples qui habitent les climats froids sont pleins de courage, mais ils sont bêtes. Alors que la race grecque, qui est entre les climats chauds et les climats froids, bien entendu, elle réunit toutes les qualités. Bien entendu, vous êtes toujours au centre du monde, où vous soyez, et à partir de là, vous pouvez utiliser la théorie des climats pour justifier que les gens du sud ou les gens de l'extrême nord vivent naturellement dans un état de barbarie. Cette théorie des climats nous fait encore rire aujourd'hui. Elle a été développée sur un plan scientifique, entre de nombreux guillemets, jusqu'aux années 1920. Et un bon parti du colonialisme européen, notamment en Belgique, se trouve basé sur la théorie des climats, à savoir que les peuples d'Afrique, bien entendu, ont trop chaud pour pouvoir être intelligents. Alors, le barbare, à partir du moment où vous le définissez, il va falloir aussi pouvoir le montrer, dans la mesure où il n'existe pas toujours, mais on trouve des moyens, bien entendu, de le montrer. Alors, il y a le barbare réel, le Perse, qui va faire l'objet d'une représentation assez importante au 5e siècle en Grèce. Et puis, rapidement, il y a besoin aussi de le connoter. Le barbare, il est proche de l'animal. Donc, sur les temples grecs, vous aurez très rarement des sculptures de Perse, mais beaucoup plus des sculptures de centaures. Moitié bête, moitié homme, c'est ça le barbare. C'est quelqu'un qui vit à la limite de l'être humain, qui bien entendu est dangereux, la preuve étant que, comme tous les barbares qui franchissent les murs, il a une réputation de violeur. Regardez ce qui se passe aux États-Unis actuellement. Le barbare, il a d'autres problèmes. Il a une mauvaise relation entre les sexes. C'est-à-dire que les Grecs savent très bien que les femmes ne doivent pas quitter la maison. À partir du moment où une femme prend du pouvoir, c'est forcément qu'on vit en dehors de la Grèce et qu'on vit dans un monde barbare.
les femmes ayant le pouvoir, les Amazones, ça va être l'image même de la barbarie, développée là encore par les sculptures grecques. Et puis bien entendu, sur le plan physique, le barbare, il ne ressemble pas. Alors, on va avoir de temps en temps, chez les Grecs, une représentation de la beauté idéale, grecque, donc bien entendu, et de l'autre côté, de types humains qui sont opposés. Ce n'est pas du racisme, c'est simplement une volonté de faire contraster l'hellénisme, la barbarie, ce qu'il faut être, ce qu'il ne faudrait pas être. Alors ça ne veut pas dire que le barbare a tous les défauts. Les Grecs sont conscients qu'il y a une sagesse barbare, disent beaucoup de bien, de temps en temps des Perses, surtout quand ils ne se battent pas avec eux. Et surtout, à partir de l'époque d'Alexandre le Grand, il est très important de dire que le barbare est courageux. La preuve en étant que dès qu'il perd, il se suicide. Pourquoi montrer ce courage barbare? Parce que si le barbare était lâche, il n'y aurait aucun intérêt à le vaincre. Il faut absolument que votre ennemi ait certaines qualités martiales, de façon à ce que vous puissiez montrer que vous, vous êtes absolument supérieur à ces gens-là. Et donc on va avoir toute une série de représentations du barbare doté de certaines qualités morales, physiques, parfois même intellectuelles, d'une certaine forme de sagesse. Bien entendu, ils sont proches de l'animalité ou de l'enfance, mais enfin, ils valent quelque chose, parce que, bien entendu, si on les vainc, on doit être quelque chose. Les Romains vont avoir une vision très héritée de la Grèce, avec les mêmes conceptions, les mêmes codes graphiques, mais avec une petite différence. À Rome, le barbare, c'est celui qui habite de l'autre côté de la frontière. C'est-à-dire qu'il va y avoir une conception politique de la barbarie. C'est l'autre ethnique, c'est l'autre philosophique, c'est l'autre racial éventuellement, mais c'est surtout celui qui se trouve en dehors de la zone contrôlée par le droit romain. Et donc on va avoir une bonne documentation sur la barbarie dans le monde romain grâce aux fouilles sur les postes de frontière où on a trouvé tous les papiers des barbares. Quand vous rentrez dans l'espace romain, vous devez montrer vos passeports et quand vous repartez, ben, vous devez également faire viser vos papiers. L'idée que vous avez une séparation physique et politique entre la barbarie n'est pas neuve. Vous allez quand même avoir quelques petites transformations à l'époque romaine. Les Romains vont avoir tendance à dire que certes les barbares ne valent rien, mais parce qu'ils ne sont pas romains, ils représentent une autre philosophie. Alors si vous êtes impérialiste du type Jules César, vous dites les Germains ne valent rien puisque justement ils ont une autre philosophie que nous. Si vous êtes un critique discret de l'empereur en place, vous avez tout intérêt à faire l'éloge de la barbarie. Et on va avoir au 1er et 2e siècle de notre ère de fantastiques textes qui vous disent que les barbares sont les gens les mieux du monde parce qu'ils ne connaissent pas le vin, ils ne connaissent pas l'argent et ils ne pratiquent pratiquement pas le sexe. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas les vices des Romains. Et bien entendu, ils n'ont pas de chef, pas de pouvoir central. Donc chez tous les gens qui veulent dire du mal de l'empereur mais qui ne veulent pas risquer leur vie, comme le grand moraliste Tacite, vous allez avoir de grands éloges de la Germanie primitive et des barbares qui s'y trouvent. En sachant que Tacite ne s'est jamais approché à plus de 500 km de la Germanie. Il n'a jamais vu un Germain, mais vous allez avoir l'éloge du barbare. Lorsque les grandes invasions se produisent, les textes pour nous s'arrêtent, ou pratiquement. Mais lorsque les textes ressurgissent, c'est-à-dire à partir du 6e siècle, on va avoir de grandes œuvres, ce qu'on appelle l'histoire des peuples, Jordanes qui écrit une histoire des Goths, Isidore de Séville qui écrit une histoire des Visigoths, des histoires des Francs, des histoires des Anglais, des histoires des Lombards, qui vont pas décrire les grandes invasions, parce que ces gens-là ne savent pas vraiment ce qui s'est passé, ça s'était passé un siècle avant eux, mais vont reprendre ce qu'ont dit les Grecs et ce qu'ont dit les Romains pour donner un tableau crédible de ce qu'a pu être la barbarie triomphante. Et donc c'est à partir de ces œuvres que l'on peut dresser les cartes, que l'on va dresser les cartes à partir du 19e siècle, à partir d'œuvres de gens qui n'ont jamais véritablement vu de barbares, mais qui ont bien lu leurs auteurs grecs. Par exemple, l'auteur de l'histoire des Lombards, Paul Diacre, qui est écrit à l'époque de Charlemagne, va expliquer que les Lombards viennent de Scandinavie, comme les Francs viennent de Scandinavie, comme les Burgondes viennent de Scandinavie, parce que Hippocrate a dit que la Scandinavie était une matrice de peuples, et Hippocrate ne peut pas s'être trompé tout de même. Et donc, on va inventer des migrations sur une très longue distance, migrations qui, historiquement, n'ont sans doute jamais existé. Mais, comme les Grecs l'ont dit, ça ne peut pas être faux. Les Grecs avaient dit d'autres choses. Les ethnographes grecs avaient expliqué que à peu près tous les peuples venaient de l'époque mythologique, de l'époque de la guerre de Troie. Ben, à partir du 7e siècle, quand on écrit l'histoire des Francs, des Burgondes ou des Lombards, ça doit être vrai ce qu'ont dit les Grecs, ils doivent venir de la guerre de Troie. Donc vous avez des récits fantastiques avec la prise de Troie et tous les groupes de fuyards qui partent de la ville de Troie,
dont les Francs, dirigés par un roi qui s'appelle Francus, dont le fils s'appellera Syagrius, qui va fonder les Sicambria, et ensuite il va fonder une série de villes, jusqu'à fonder une ville en l'honneur du héros troyen mort, Paris, et il va appeler ça la ville de Paris. Et vous avez tous ces récits qui vont concerner à peu près tous les peuples européens qui ont réussi à s'enfuir de la ville de Troie. Ces textes-là ont un succès phénoménal. C'est-à-dire que, à partir du Moyen-Âge central, XIIIe siècle, plus personne pense vraiment que les barbares sont des barbares. Ce sont des Grecs qui sont passés un jour en Scandinavie, parce qu'il faut bien passer par la Scandinavie, qui sont redescendus. Et en 1710, quand un érudit a dit que tout de même Clovis et ses gens, c'était peut-être un peu des Germains sur le bord, il s'est retrouvé à la Bastille. Parce que la vérité historique était qu'il n'y avait pas de barbares à l'origine de la maison royale de France. Il n'empêche que quand même, à partir de la Renaissance, le barbare commence à avoir du succès. Alors succès pour des raisons simples, on découvre des manuscrits. On découvre la Germanie tacite, qui dit que les Germains sont les gens les plus fantastiques du monde. On redécouvre tous les textes que j'évoquais. Et puis, autre phénomène, le barbare revient à la mode à cause de l'actualité. En 1527, la barbarie prend un sens nouveau, Rome est mise à sac, cette fois-ci pas par les Vandales ou par les Visigoths, mais par les troupes de Charles Quint, par les troupes allemandes de Charles Quint, par les troupes protestantes allemandes de Charles Quint. Donc désormais, la barbarie va être associée à quelque chose de très clair, le protestant du Nord, c'est forcément le barbare. Et donc on va se mettre à reparler partout d'invasion barbare, alors qu'on n'en parlait plus depuis 1000 ans, parce que tout simplement, la papauté en a besoin. Mais les protestants en ont aussi besoin. Luther et les premiers disciples de Luther vont écrire énormément de textes sur les Germains, parce qu'ils viennent de retrouver la Germanie de Tacite. La Germanie de Tacite dit que les Germains sont les gens les plus extraordinaires qui soient, parce qu'ils sont purs alors que les Romains sont corrompus. Pensez bien qu'au XVIe siècle, ça fait plaisir aux luthériens de me présenter des Germains purs et des Romains corrompus. Et donc, dans toute l'Europe du Nord, à partir du XVIe siècle, tout le monde se passionne pour les barbares, parce que ce sont les ancêtres des pouvoirs protestants. Alors, on va l'avoir dans des régions qui, pour nous, sont un peu étranges, comme la Suède. Les rois de Suède, au XVIe siècle, sont persuadés de descendre des Goths. Bon, c'est sans doute faux, mais ils vont créer des arbres généalogiques pour expliquer que la nation suève descend des Goths indiscutablement, que le terme de suédois qui se dit jette, bah, c'est une déformation de Goths, et que tout ça est la même chose, vu que de toute façon, les Grecs avaient dit que tout le monde venait de Scandinavie. Alors pour nous, c'est bien, parce que ces gens-là vont sauver les rares textes qui existaient encore. C'est grâce aux Suédois que les alphabets runiques sont sauvés. C'est grâce également aux Suédois que l'on a conservé la seule Bible en langue ostrogothique qui nous soit conservée. Les Suédois étaient persuadés que c'est un texte qui avait été rédigé chez eux. Bon, historiquement c'est faux, il a été rédigé dans l'Italie du Nord, mais ça c'est pas grave. Donc au moment de la guerre de 30 ans, mission du palais suédois, prenez Prague et ramenez-moi ça. Et donc aujourd'hui, si vous voulez voir le seul texte ostrogo conservé, il faut aller à Uppsala, parce qu'on était persuadé que les ancêtres étaient des barbares. C'est la même chose également chez les gens qui se battent contre les Suédois, qui ont d'autres idées. Les Polonais se disent que, ma foi, si les Suédois descendent des Goths, pourquoi eux, ils ne descendraient pas des Sarmates? Et donc, vous avez toute une théorie chez les Polonais pour dire que nous, on descend des Sarmates. Et donc, les Polonais se mettent pour la première fois à développer ces cartes avec des flèches pour expliquer que, bon, c'est vrai que les Sarmates, ils sont ailleurs à une autre époque, mais les Sarmates, ils viennent de chez eux. Tout ça entre en résonance, bien entendu, avec l'humanisme allemand qui se développe à partir du XVIe siècle. XVIe, XVIIe siècle, pour la première fois, les Allemands s'estiment être les descendants directs des Germains de l'Antiquité. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de texte sur les Germains de l'Antiquité, à part la Germanie de Tacite. Bon, tout le monde va la copier, tout le monde va vouloir la voir. Vous savez que Hitler va essayer d'obtenir la Germanie de Tacite de Mussolini, d'envoyer quelqu'un récupérer le manuscrit. Mussolini fait semblant que le manuscrit est perdu. Enfin, on l'a retrouvé il y a 10 ans, hein, simplement, le manuscrit. Donc il y a cette passion là pour les Germains, il y a une volonté aussi de montrer les vertus primitives de la Germanie. Et comme il n'y a pas la moindre image, il faut absolument faire quelque chose. Que font les graveurs du XVIe, XVIIe siècle? Les Germains ils connaissent pas, tout ce qu'ils connaissent c'est les chevaliers teutoniques. Donc ils vont utiliser les coiffures des chevaliers teutoniques pour inventer une tenue possible des Germains. Et donc on va avoir les casques à cornes et les casques à ailes qui font se développer pour représenter des époques sur lesquelles on ne sait rien. Et lorsqu'on fait des trouvailles, c'est la fascination. C'est le cas en 1753.
extraordinaire, un maçon sourd-muet qui travaillait dans les Pays-Bas espagnols fait un trou et tombe sur le trésor funéraire du père de Clovis, la tombe du père de Clovis. Immédiatement, tous les Habsbourg sont fascinés par la chose, ordonnent la publication de la sépulture. C'est la première publication d'archéologie moderne. Parce que tout le monde s'intéressait à ça dans le monde Habsbourg. Et donc, vous avez des publications, 1755, avec représentation de toutes les bagues qu'on a trouvées, avec des hypothèses. Donc là, c'est la broche qui servait à fermer le manteau du roi, du père de Clovis. Bon, bah, au XVIIe siècle, on ne sait pas trop ce que c'est. On pense que c'est le stylet du roi qui lui servait à écrire. Mais coup de chance, tout le monde s'intéresse aux barbares et on publie, et on publie, et on publie. On publie tellement que les Français se disent que, ma foi, le sujet peut être intéressant. En 1727, première publication majeure sur les invasions barbares par le comte Henri de Boulainvilliers. Le comte Henri de Boulainvilliers, c'est un opposant notoire à l'absolutisme. C'est un des chefs du parti nobiliaire. Il fait un très grand récit sur l'histoire de l'ancien gouvernement de la France pour dire les invasions barbares, ça a eu lieu. Il y a eu des Germains qui ont envahi tout le territoire gallo-romain. Ces gens-là venaient de la Germanie libre, donc ils ne reconnaissaient pas le pouvoir des rois. Ils se sont emparés du territoire, donc ils ont eu le pouvoir par droit de conquête. Donc la noblesse, qui est l'héritière de ces gens-là, a le droit d'avoir des privilèges et d'être indépendant du roi de France, qui commence à prendre un petit peu trop de liberté. Et donc la théorie d'une liberté totale des Germains va donner naissance à un courant historique qui est encore vivant, qu'on appelle le germanisme, la croyance dans ces forces vives venues de Germanie qui vont régénérer la civilisation régulièrement. Du côté de Louis XV, on n'est pas forcément ravi de cette publication qui s'est faite discrètement quand même à Anvers, parce qu'il ne faut pas exagérer, le brave comte prenait des risques. Et donc l'absolutisme réplique en demandant une histoire critique de l'établissement de la monarchie française à un brave défenseur de l'absolutisme qui est l'abbé Dubos. Lequel dit, bah, il y a peut-être eu invasion, mais en fait non, hein, les Germains sont arrivés, mais tous ces gens-là étaient des alliés de l'Empire romain. Lorsque Clovis prend le pouvoir, c'est pas un envahisseur, c'est le représentant légal de l'empereur en France, et donc le roi de France depuis Clovis est l'héritier légal des pouvoirs de l'empereur romain. Et donc pas du tout de grandes invasions. Et donc bien entendu, la France n'est pas composée de deux races, des Germains et des Gallo-Romains, il n'y a qu'une seule race, les sujets du roi des Francs, qui doivent toute obéissance au roi des Francs. Et c'est ainsi que sur les grandes invasions apparaît la deuxième grande école, le romanisme, c'est-à-dire l'idée qu'il n'y a pas d'invasion, il n'y a que Rome. Arrivent les Lumières, notamment Montesquieu, qui se pose longuement la question des grandes invasions dans l'esprit des lois. Alors, Montesquieu, c'est un homme des Lumières, c'est-à-dire, c'est pas qu'il ait rien lu, mais c'est avant tout un polémiste. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit que le comte de Boulainvilliers était un défenseur des privilèges de la noblesse. Donc Boulainvilliers a fatalement tort. Mais en même temps, Dubos était un défenseur de l'absolutisme. Donc Dubos ne peut pas avoir raison. Alors Montesquieu donne sa vérité sur les grandes invasions. C'est-à-dire que oui, il y a eu invasion, mais c'est des sauvages complètement crétins qui ont envahi le territoire et qui ont tout cassé. Et donc que les descendants de ces sauvages, qui sont les représentants de la noblesse française, pour être exact, ses ennemis dans la noblesse française, n'ont absolument aucun droit. Et donc vous allez avoir ici des grandes invasions sombres, qui vont être développées en France, chez les gens qui ont lu Montesquieu, notamment un certain Abbé Sieyès, qui écrit son célèbre pamphlet sur le tiers-état en 1789, dans lequel il est dit bah, « la noblesse vient des obscures marais de Franconie, eh bien, nous n'avons qu'à renvoyer les nobles là-bas s'ils y étaient très bien dans l'Antiquité. Il y a eu grandes invasions, le tiers-état, c'est les descendants des Gallo-Romains, ils doivent renvoyer les envahisseurs chez eux. » Au XVIIIe siècle, on n'a jamais autant écrit sur les invasions barbares qu'au XVIIIe siècle. Notamment en Angleterre. En Angleterre, on se pose aussi la question. Gibbon écrit son grand déclin et chute de l'Empire romain en 1776. Il a tout lu, il a lu Dubos, il a lu également Boulainvilliers. Mais lui, il a une autre idée. De son point de vue, il y a sûrement eu invasion romaine, mais comme il a lu Tacite et qu'il a persuadé que Tacite a raison, si l'Empire romain s'est effondré, ce n'est pas à cause des grandes invasions, c'est à cause des Romains eux-mêmes. Ils sont entrés en décadence. À cause de quoi? À cause du christianisme, dit Gibbon, qui est quelqu'un de férocement anticatholique. Donc vous avez la troisième idée, c'est-à-dire qu'il y a peut-être invasion, mais que ce n'est pas important. L'important, c'est l'histoire de la décadence romaine. Alors le décadentisme a beaucoup de succès au XIXe siècle. Si vous allez au Musée d'Orsay, vous savez que le plus grand tableau, c'est l'image de la décadence avec les barbares qui sont au fond, mais les Romains qui occupent le devant de la scène parce que c'est leur faute.
Le germanisme, ça a du succès en Allemagne. Parce que l'Allemagne se cherche. Il n'y a pas d'Allemagne, à vrai dire. Il y a une trentaine de petits états-nations qui se cherchent un point commun. Impossible à trouver dans leur histoire récente. Par contre, dire qu'on descend tous des Germains de l'Antiquité, c'est pas mal. À partir de la fin du XVIIIe siècle, les humanistes allemands se mettent à beaucoup penser à ces Allemands, non comme des gens vertueux, mais comme des ancêtres vertueux, ce qui change un peu les données. Notamment quelqu'un comme le philosophe Hegel, qui va expliquer que l'Allemagne s'est gardée pure de tout mélange, et les peuples allemands sont restés totalement indigènes. Il y a une unité biologique du peuple allemand qui justifie que, un jour ou l'autre, les 30 États qui forment la nébuleuse allemande vont se recréer et les héritiers des grandes invasions vont peut-être un jour aussi repartir à l'attaque. C'est l'idée qui se développe dans les années 1810. En Prusse, les années 1810 ont été particulièrement dures. L'épisode napoléonien a été horriblement ressenti par tous les intellectuels prussiens qui avaient peut-être leurs défauts, mais qui sur le plan scientifique étaient largement au-dessus des historiens français. En 1819, tous les intellectuels de la nébuleuse d'État-nation allemand décident de travailler sur les grandes invasions. Ils décident de prouver que les Germains ont existé. Ils entreprennent de rédiger une somme monumentale de textes sur toutes les sources que l'on peut trouver sur les Germains. Ils appellent ça les monuments historiques de la Germanie, avec la devise « c'est l'amour sacré de la patrie qui donne du cœur à l'ouvrage ». Aujourd'hui, il y a plus de 400 volumes qui ont été publiés, et ça continue encore, c'est une de l'entreprise éditoriale la plus extraordinaire qui soit. Mais lorsque ça commence en 1819, le but est de prouver les grandes invasions. Pourquoi ? Parce que il y a eu des Germains dans l'Antiquité, les Germains ont donné naissance aux Francs de l'époque de Clovis, les Francs mérovingiens, aux autres peuples germaniques, les Francs mérovingiens ont donné naissance biologiquement à l'Empire romain germanique, celui de Charlemagne, celui des Ottons, celui du Moyen-Âge central, et les Allemands sont les héritiers biologiques de l'Empire romain germanique. Comme on n'a pas un texte sur les Germains, il va falloir absolument mettre en valeur les Francs mérovingiens pour expliquer que c'est dans les sources de l'époque de Clovis qu'on peut prouver les grandes invasions et qu'on peut prouver, bien entendu, qu'avant, il y avait quelque chose. Et donc, vous allez avoir l'idée qu'il y a eu un Völkerwanderung, une grande migration de peuples, mais qu'à l'origine, tout le monde était en Allemagne, faut pas exagérer, on a bien quelque chose en Allemagne. C'est l'époque aussi où on réfléchit à la notion de peuple. En Allemagne, il va y avoir pour la première fois la définition de ce qu'est un peuple, à partir, non des peuples actuels, parce qu'en Germanie, ça peut pas marcher dans la Germanie du XIXe siècle, mais à partir de la Germanie tacite, en disant que à l'époque des grandes invasions, oui, il y avait des peuples. Qu'est-ce que c'est qu'un peuple ? C'est une unité de sang, une unité de loi, une unité de langue, une unité de culture, une unité de religion, une unité politique. Et les grands théoriciens du XIXe siècle de dire à l'époque des grandes invasions, tout ça, ça existait. Aujourd'hui, ça existe encore. Le sang allemand est partagé que par les Allemands. Il y a une loi allemande, enfin du moins on le croit, on travaille beaucoup sur les textes de loi allemands. Il y a une langue allemande, c'est l'époque de Goethe. Il y a une culture allemande et une religion allemande, c'est l'époque où les frères Grimm cherchent absolument à trouver des traces du paganisme germanique antique dans les contes qui existent au XIXe siècle, parce qu'il faut absolument une religion allemande. Et puis, bien entendu, comme il n'y a plus d'unité, on va la retrouver dans le passé. Alors on fantasme en Allemagne, on rêve des grandes invasions, on fait les grands tableaux pour représenter les Germains de l'Antiquité, bon, peut-être un peu souvent vaincus par l'Empire romain, mais comme ils sont beaux, comme ils sont grands même dans la défaite, comme ils sont blancs surtout, hein. Parce que regardez bien, voyez les vaincus germaniques qui défilent, mais ils sont tous extraordinairement dignes, alors que du côté des Romains, on est tous courbés, et puis horreur, voyez même qu'il y a des Noirs dans le cortège de l'empereur Tibère, et pire encore, des Asiatiques qui sont en train d'écraser la Louve de Rome sur la gauche. Hein. C'est le cosmopolitisme qui a tué l'Empire romain, les grandes invasions, c'est la régénération de la civilisation blanche occidentale. Donc les grandes invasions, elles sont à la mode, là, au XIXe siècle. D'autant que il y a des gens qui ont des idées sur les grandes invasions, un certain Wagner qui va lancer le thème qu'il y a eu des grandes épopées allemandes, elles sont toutes perdues, c'est pas de chance, mais on peut les recréer. Et c'est l'époque aussi de naissance de l'archéologie scientifique. Et les premiers véritables archéologues qui travaillent sur la période des grandes invasions, ce sont des Allemands qui ont tous ces présupposés-là, à savoir que l'on peut retrouver l'antiquité de la nation allemande. C'est le cas notamment d'un certain Gustav Kosina, qui est le fondateur de l'archéologie moderne en Allemagne, qui a une idée très simple,
on peut trouver les traces du peuplement allemand à une date très ancienne. Vous faites des fouilles, vous trouvez des objets que vous définissez comme étant appartenant à la culture germanique. Ça veut dire que les Germains étaient là et que tous les héritiers biologiques des Germains ont des droits imprescriptibles sur la zone. Vous comprenez pourquoi l'Alsace-Lorraine va être la zone la plus prospectée par l'archéologie. Il faut absolument prouver qu'il y a eu des Germains là à une date ancienne. Et bien entendu, à partir du moment où vous faites de l'archéologie de ce type-là, vous pouvez soutenir la carte avec les flèches en disant « bah oui, on trouve des tessons qui ont l'air germaniques du côté de l'Espagne. C'est donc la preuve qu'en Espagne, il y a bien eu des populations germaniques. » Et vous vous mettez à publier les textes espagnols du Moyen-Âge dans les monuments historiques de la Germanie, parce que finalement, l'Espagne, c'est germanique comme le reste, vu qu'il y a eu sans doute quelques Visigoths. Arrivent les années 1930, ces idées qui jusque-là étaient raciales vont devenir extrêmement racistes, et l'archéologie des grandes invasions est menée par une structure archéologique de pointe, l'Annenerbeu, la science des ancêtres. C'est la structure créée par Himmler en personne pour donner une légitimité aux grandes invasions des années 1930. Pour dire que toutes les zones que l'on va envahir, c'est parce que autrefois, dans un passé très lointain, il y a eu un peuplement germanique, donc on a des droits imprescriptibles à occuper le terrain. Alors du côté français, on n'est peut-être pas aussi joyeux, on reste sur les idées plutôt de Montesquieu. Montesquieu ne peut pas avoir tort, vu que c'est un philosophe des Lumières, et donc le germanisme français se développe autour de figures qui sont encore aujourd'hui connues, comme Augustin Thierry, les grands historiens romantiques, qui vont expliquer que tout ce que l'on dit sur matière de germanisme, c'est vrai, il y a un sang, une langue, une culture, une religion, une famille royale chez les Germains, mais que tous ces gens-là sont d'affreux bonhommes. Augustin Thierry publie dans les années 1830-1840 les récits des temps mérovingiens. C'est un récit extraordinaire, le récit des temps mérovingiens d'Augustin Thierry. C'est l'histoire des grandes invasions la plus sordide qu'on ait jamais vue. Aucune source ne nous a dit ça. D'abord, il nous explique que tous les nouveaux venus sont indiscutablement des races d'envahisseurs parce qu'ils s'opposent aux Romains. Il explique que les Romains et les Francs, c'est l'esprit de discipline contre les instincts violents de la barbarie. Vous noterez d'ailleurs qu'au passage, Augustin Thierry va rajouter un K à Franck parce que ça fait un peu plus germain. Et donc, il va rajouter des H, des K, des W à tous les noms qui n'en ont pas du tout dans nos sources. Ça fait un peu plus teuton quand même. Deuxième idée, c'est qu'il y a eu grande invasion, parce qu'avant il y a un État, après il n'y a plus d'État. Regardez ce qu'a fait Clovis et sa dynastie, ils partagent le territoire, la France est une et indivisible, donc si on partage, c'est que ça ne va pas. Et puis, regardez les dynasties mérovingiennes, c'est pas propre, et donc c'est forcément qu'il y a eu des meurtres dynastiques, et que ces gens-là ne sont pas du tout présentables. Et puis, Augustin Thierry appartient au courant libéral, très opposé à la monarchie. Les grandes invasions, c'est l'époque où, horreur, des femmes ont le pouvoir et des enfants ont le pouvoir. Et donc, vous allez avoir l'idée que si des enfants ont le pouvoir, ben c'est bien qu'on est dans un monde barbare et que ces gens-là ne peuvent pas être de bons Français. Et vous allez avoir, à partir de là, toutes les images d'Épinal qui vont se développer, en sachant que le récit des temps mérovingiens d'Augustin Thierry est un livre qui a un succès phénoménal. Alors, dernière idée d'Augustin Thierry, c'est qu'à partir du moment où vous avez des grandes invasions, la société devient violente à cause des envahisseurs. Parce que ces gens-là n'ont aucun respect des femmes, et que de toute façon, les femmes n'ont aucun respect des femmes non plus. Et donc, une société où on donne un petit peu trop de pouvoir au sexe faible, ça va pas, on est à l'époque du code napoléonien, il est hors de question que ça se passe comme ça. Société violente, pourquoi ? Parce que fondamentalement germanique et païenne. Les envahisseurs ne se sont jamais convertis à la religion chrétienne. Et Augustin Thierry explique que oui, bon, il y a bien eu le baptême de Clovis, mais Clovis s'est fait baptiser pour des raisons politiques, ni lui, ni ses successeurs, n'y croyaient jamais. Et il explique doctement qu'au 8e siècle, il y a encore des gens qui se font appeler Charles Martel, Martel parce que c'est le marteau, et que marteau, c'est le symbole du dieu Thor, et que Thor est le dieu central de la mythologie germanique. Bon... apparemment, Martel, ça veut dire semblable à Judas Maccabée. Hein. Donc, le Charles Martel, il ressemblait au héros de l'Ancien Testament. Il n'a jamais entendu parler de Thor. Mais Augustin Thierry est persuadé que le paganisme reste un courant de fond dans la société française jusqu'à son époque, en disant que la noblesse française, jusqu'à la Révolution française, était un ramassis de débauchés et de païens. Augustin Thierry n'est pas le seul à le penser. Michelet pense la même chose en disant bah, les premiers envahisseurs, les Mérovingiens, sont entrés dans l'église malgré eux. Pour attendre à avoir des bons chrétiens, il faut attendre Charlemagne et les Carolingiens.
Arrive la guerre de 70, la défaite face à l'Allemagne, ces thèses-là, qui étaient déjà importantes dans la société française, ont désormais le vent en poupe. Le livre le plus donné par les instituteurs de la Troisième République au moment de la remise des prix, le moment central de la vie de tous les jeunes Français pendant la Belle Époque, c'est les récits des temps mérovingiens d'Augustin Thierry. Pour expliquer qu'un jour, les gens d'Outre-Rhin ont traversé le fleuve et ont tout cassé, il est hors de question que ça se reproduise. Et donc, vous avez les bons points sur Clovis et le symbole même de cette barbarie qu'il va falloir éviter absolument de recréer, et l'image du barbare casseur qui va se développer, contrairement à toute réalité historique, parce que le moindre barbare qui a pris une ville, il ne va pas casser les statues, il va plutôt voler l'or. Les statues ont été cassées plutôt au XVIIe siècle, quand on a récupéré le marbre pour essayer de faire du stuc. Mais lorsque les archéologues français commencent aussi à travailler sur le domaine, vous voyez qu'ils vont imiter les peintres d'histoire, et les Francs qui sont représentés d'après les fouilles vont être affublés de costumes et de coiffures sauvages, parce que ces gens-là ne peuvent être que des barbares. Et bien entendu, le thème de l'invasion va être dominant dans la société française, dominant jusqu'aux années 1950. Dans l'immédiate après-guerre, on continue de parler beaucoup de ce sujet-là, et j'évoquais cette œuvre majeure en introduction. Astérix et les Gaux a une vision très claire des grandes invasions, ça a existé, ça s'est reproduit régulièrement, et les gens qui portent des casques à cornes sont les ancêtres des casques à pointe de 14, et sont les ancêtres des gens qui vont avoir un drapeau rouge avec un rond blanc et quelque chose au centre. Mais il faut bien voir que toute, à la fois l'histoire et l'archéologie scientifique qui se développe jusqu'aux années 50, baignent là-dedans. Mettre en doute les grandes invasions n'est pas possible. Et notamment le père de l'archéologie mérovingienne française, Édouard Salin, est persuadé que les grandes invasions ont eu lieu. Il va chercher les traces de l'invasion dans la présence d'armes dans les tombes. Pour lui, l'arme, c'est la preuve d'une société violente. Alors, il y a un autre endroit où on réfléchit beaucoup aux grandes invasions, c'est la Belgique. La Belgique, c'est le drame, hein, d'une certaine façon, parce que le royaume est partagé entre deux nationalités, deux ethnies, dit-on au XIXe siècle, deux langues. Il n'y a pas d'unité belge, ou pas beaucoup déjà au XIXe siècle. Alors, les grands théoriciens de l'unité de la Belgique vont expliquer que c'est normal, parce qu'il y a eu grande invasion de Francs, qui sont à l'origine des Flamands, il y a des Gallo-Romains résiduels, c'est les origines des Wallons, mais qu'à partir du moment où il y a unité, grâce à Clovis, qui s'est converti à la religion des Wallons, ben, il y a un royaume qui est fondé. Et donc, vous avez des grands textes autour de 1900 pour expliquer que la conversion de Clovis est le moment de transformation de l'Occident. Et donc, les historiens belges expliqueront que Clovis n'est ni allemand ni français, il est belge, bien entendu. Quelques historiens luxembourgeois vont dire également qu'il est luxembourgeois. Tout ceci amène à la création d'une autre version de l'histoire, c'est le germanisme catholique. En disant que, bah oui, il y a eu grande invasion, ils ont tout cassé, jusqu'au moment où ils sont convertis, et à partir de ce moment-là, ces gens-là qui étaient sauvages, mais dynamiques, sont restés dynamiques, mais ont été décivilisés. Le romanisme, par contre, n'a pas beaucoup de succès. Il y a des gens comme Fustel de Coulanges, comme Pirène, mais eux n'ont pas énormément de succès. Le décadentisme va rester, par contre, présent grâce à des œuvres de philosophie politique comme Spengler, le livre de chevet de la plupart des membres du parti nazi, qui explique que régulièrement, il y a une invasion qui détruit l'Occident, mais qui régénère. Tout change aux années 1960, pas pour des raisons scientifiques, mais pour des raisons politiques. 1962, De Gaulle et Adenauer se réconcilient dans la cathédrale de Reims, en expliquant que, bon, il y a eu des grandes invasions dans le passé, mais tout ça, on va oublier. Et à l'endroit où Clovis s'est fait baptiser, on va décider que désormais, les gens qui ont été autrefois des envahisseurs ont en fait été deux peuples, et qu'on ne va plus parler d'invasion mais de migration, et d'expliquer que l'Europe peut se construire avec des nations différentes et des peuples différents. Ce qui vous explique que les trois grands thèmes sont encore vivants aujourd'hui. Vous avez des publications qu'on appelle hyper-romanistes, dont des gens qui disent qu'il n'y a pas du tout eu de grandes invasions. Il y a des défenseurs de l'histoire catholique en disant que tout a changé avec Clovis. Il y a des gens qui ont l'idée que Rome a toujours été là, mais a un peu changé. D'autres qui disent que Rome était là politiquement, mais que la civilisation matérielle, c'est les envahisseurs qui ont tout changé. Et puis, périodiquement, des gens qui disent bah, il y a eu des décadences à cause des chrétiens, et que ces infâmes catholiques ont tout perverti, et que les Germains sont venus, bon, ils ont cassé, mais ils ont renouvelé. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Mais il faut quand même abandonner les textes et essayer de voir un peu ce qu'on peut faire avec de l'archéologie.
pas grand-chose, vous allez le voir, mais enfin, quand même un peu de temps. Il me reste un bon quart d'heure ? Oui. Alors, je vous fais de l'archéologie pour vous dire qu'avec l'archéologie, on peut discuter de ces flèches et de se demander ce qui a bougé. Je vous donne l'exemple le plus récent, c'est une fouille qui a eu lieu en Haute-Marne au début des années 2000, mais qui a été très bien exploitée. On a trouvé 3 tombes de chefs francs des années 530. Donc des gens qui sont les contemporains de Clovis, qui ont vécu un tout petit peu plus longtemps, et qui ont été enterrés dans des tombes fastueuses. Donc là, on peut discuter, pour la première fois peut-être, de savoir ce que sont ces gens qui arrivent au moment des grandes invasions. Première idée, si on regarde les tombes, on peut dire qu'il y a eu une grande migration, une grande invasion, selon le point de vue que vous avez. D'abord parce que les gens qu'on va trouver dans les tombes, ben, ils sont grands, 1m85 quand même. C'est des gens qui, apparemment, n'ont pas le physique du gallo-romain de base. Puis qui se font enterrer dans des tombes qui ne ressemblent pas du tout à la façon dont les Romains se faisaient enterrer jusque-là. Et qui, effectivement, se font enterrer avec énormément d'armes. Plus vous êtes haut dans la hiérarchie chez les Francs, plus vous faites enterrer avec d'armes différentes. Qui se font enterrer d'ailleurs avec leur Francisque. Alors la Francisque, malheureusement, ça ne ressemble pas à la Francisque de Pétain, qui n'avait jamais fait d'archéologie. C'est une hache à un seul tranchant, et ce n'est pas une hache qu'on tient pour frapper, c'est une hache qu'on lance au début du combat. Puis on trouve dans les tombes quand même des objets qui n'ont pas l'air romains du tout. Par exemple les épées. Les épées sont faites en acier damassé, une technique extrêmement efficace qui vous fait des coupures sur les os quand vous recevez une blessure qui sont à peu près semblables à la coupure d'un scalpel actuel. Ça tranche merveilleusement bien. Ces épées, qui sont de la technologie récente, montrent également qu'on a une société qui est nouvelle. C'est plus le glaive du Romain. Ce sont des épées où vous voyez toujours deux anneaux entrelacés sur la garde. Ces deux anneaux n'ont aucune utilité pratique, représentent simplement les relations qu'il y a entre le chef et son guerrier. Les deux anneaux montrent un lien d'homme à homme, une société qui fonctionne plus sur la fidélité politique envers le roi, mais sur la fidélité personnelle envers l'homme envers qui vous obéissez. Ces deux anneaux, bah, ils ont une grande postérité littéraire, dans la mesure où les rois vont être appelés les seigneurs des anneaux à partir du VIe siècle. Et ces anneaux qu'on a longtemps cherchés au doigt des défunts, en fait, ils étaient sur les épées. Et puis, c'est des gens qui parlent des langues germaniques. Vous devinez ici un mot qui est écrit en runes, donc l'alphabet germanique. Il y a écrit « bière » sur l'épée, mais en langue germanique. « Alou », comme en anglo-saxon actuel. « Ale », il y a écrit « bière ». Pourquoi, on ne sait pas du tout, mais en tout cas, ces gens-là, visiblement, avaient le culte de la bière. Ces gens-là, également, ont une pratique de cavalier. Alors que l'armée romaine est constituée essentiellement de fantassins, ces gens-là se présentent volontairement comme des cavaliers, avec le mort et le harnachement de leur cheval qui est toujours enterré à côté d'eux, et également leur cheval qui est enterré à côté d'eux, de façon à montrer qu'on a une élite qui se présente comme migrante, héroïque, cavalière, avec également des objets prestigieux, et notamment de grandes pierres rouges qui forment l'orfèvrerie qu'ils portent à la ceinture, et qui représente, vous le voyez, la tête de leur cheval, avec l'œil et les naseaux qui sont représentés par des pierres de couleur. Alors, un peu décevant quand même, ces barbares qui débarquent, certes, ils ont l'air de venir de très loin, avec un équipement très différent, on les imagine hirsutes et malodorants. Alors, malodorants, non, parce qu'il y a des fioles de parfum, et hirsutes, non, parce qu'ils sont tous enterrés avec leur peigne. Donc, je suis désolé, mais le barbare poilu est à remettre au rang des mythes, là, indiscutablement, parce qu'ils sont très bien coiffés, ils ont du shampoing. Et on a des textes byzantins qui nous disent que les shampoings sont particulièrement efficaces. Bon, ils boivent de la bière quand même aussi, on a trouvé quand même des chaudrons qui servent à boire de la bière. Et l'ensemble vous montre un faciès archéologique qui, effectivement, a l'air de laisser supposer qu'il y a des grandes invasions et qu'on puisse les prouver. Et si vous placez ça sur la carte, vous avez l'impression de voir effectivement la vague migratoire entre la Germanie primitive et le monde gallo-romain qui se déploie avec toutes ces tombes qui apparaissent. Bon, ce qui est un peu embêtant quand même, c'est que vous voyez que ces tombes très remarquables, il n'y en a pas du tout en Germanie. C'est quand même embêtant. C'est-à-dire que les barbares, ils ne sont pas barbares chez eux, il n'y en a pas non plus au sud de la Loire, alors qu'on sait qu'ils envahissent le secteur, et donc ils sont barbares sur une toute petite zone. Pas avant, pas après. Ce qui a amené à se poser la question de savoir c'est qui exactement ces barbares. Alors, c'est développé à partir des années 60 la théorie de l'ethnogénèse. C'est une théorie qui découle en fait du romanisme, c'est-à-dire de se dire que bon,
c'est peut-être finalement les Romains qui ont tout inventé. De l'analyse des armes aussi, on s'est rendu compte que cette belle sidérurgie et toutes ces armes, ben, elles étaient romaines en fait. C'est des armées romaines tardives. Effectivement, ces gens-là ne ressemblent pas du tout à des légionnaires, parce qu'au 4e et 5e siècle, l'armée romaine n'est plus composée de légionnaires, donc il n'y a pas à en chercher. Et puis, ça résulte également, cette théorie, des problèmes des historiens allemands et autrichiens dans les années 60, où on ne peut quand même plus dire que les grandes théories du 19e siècle sont encore vraies. Donc, dans les années 1960, en Allemagne et en Autriche, on dit, bon, tout ce qu'on a écrit pendant un siècle, c'est vrai, sauf le sang. C'est-à-dire que les peuples barbares, c'est une unité de loi, de langue, de culture, de religion, mais pas de sang. Il y a eu mélange de peuples. Et donc l'idée est que les barbares qui arrivent, c'est beaucoup de Romains et un tout petit peu de barbares. Ce sont des gens qui sont noués des intermariages pendant un siècle. Dans le monde de la frontière, il y a eu ethnogénèse, c'est-à-dire fusion de population. Quelques barbares venus de Scandinavie ou de Germanie, énormément de Romains, et au bout de quelques générations, ben, des gens qu'on trouve dans les tombes. Pourquoi est-ce qu'on pense ça? Sans doute parce que c'est vrai, allez-vous me dire, mais aussi peut-être parce que ça fait beaucoup de bien à la construction européenne. De se dire, bah, il y a un petit peu de gens d'ici, un petit peu de gens d'ailleurs, il y a un petit peu de migrants, un petit peu de sédentaires, mais tout ça, ça va nous faire l'Europe. C'est l'époque des Trente Glorieuses, hein, où on croit que le creuset européen peut fonctionner. Alors, ça peut marcher archéologiquement, effectivement, ces gens-là sont peut-être des gens qui sont issus de mélanges entre Romains et Germains, mais c'est politiquement correct, ce qui fait que je me suis amusé à aller voir dans Wikipédia, c'est la thèse de Wikipédia. Donc, il n'y a pas eu grande invasion, mais il y a eu migration period, donc une période de grande migration. Et puis, vous avez d'autres possibilités d'interpréter les faits. Et puis, s'il n'y avait pas eu de grande invasion, du tout, du tout. Si on prenait ces tombes et on se dit, mais ma foi, les gens qui se font enterrer là, si c'était des Romains, tout simplement. Parce que quand vous regardez ces tombes-là, ça a l'air sauvagement barbare. Mais aucun Germain de l'Antiquité ne s'est fait enterrer dans un cercueil. Ils se font tous incinérer en Germanie. Aucun Germain de l'Antiquité ne se fait accompagner par des armes, parce que la Germanie, c'est beaucoup trop pauvre, et personne n'emporte de matériel funéraire dans la tombe. Et puis quand on regarde les objets, et ma foi, il faut bien remarquer que tous les objets sont romains. On se fait enterrer évidemment avec des seaux pour boire de la bière, mais on se fait enterrer avec de la verrerie également pour boire du vin. C'est-à-dire que selon le moment, on se fait représenter comme étant un barbare ou comme étant un romain. Et puis, se pose aussi la question de cette magnifique orfèvrerie qui apparaît juste au moment des grandes invasions. Pendant longtemps, c'était la preuve de la migration. Parce que l'orfèvrerie est en Grenat. Qui dit Grenat, dit Bohème. Qui dit que Bohème dit forcément que ces gens-là sont forcément passés par la Germanie centrale. Jusqu'au moment où, en 2012, on a commencé à faire des analyses sur les Grenats mérovingiens pour essayer de savoir d'où ils viennent. Ben, les tests physico-chimiques montrent que tous les Grenats de l'époque des grandes invasions viennent d'Inde et du Sri Lanka. Autant dire que ce n'est pas des Grenats de Bohème, c'est qu'à partir du 7e siècle, quand la Méditerranée est fermée à cause de la peste, qu'on fait venir quelques Grenats de Bohème et encore ils sont de mauvaise qualité. Autant dire que ces gens-là qui ont une très très belle orfèvrerie, ben, ils ont des objets que nous appellerions ethniques, mais que eux pensent très certainement totalement romains. Et les premiers objets que l'on connaît croisonnés de Grenat ont été d'ailleurs fabriqués à Constantinople et offerts par l'empereur de Constantinople aux gens qui s'appellent rois des Francs. Autant dire que tous ces objets, c'est une façon de se montrer comme riche, puissant, dans une période de très grande inquiétude. L'Empire romain s'est bien effondré, il n'y a pas de doute, au 5e siècle. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Ben, les gens qui sont là, ils peuvent plus se placer dans la hiérarchie en raison de leur rang sénatorial ou équestre, ils sont plus membres de l'Empire romain, ils ont besoin d'être quelque chose. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils montrent qu'ils sont les gens qui suivent le roi des Francs. Alors le roi des Francs, il est peut-être franc, mais les gens qui se font appeler francs, sans doute pas. Et donc ces gens-là qui se mettent à porter des objets qui ont l'air très prestigieux, très ethniques, très venus de très loin, sont sans doute des gens qui sont inquiets et qui ont besoin de se positionner comme étant les nouvelles élites. On sait que ces gens-là, d'ailleurs, ne parlent pas la langue germanique. On a de très beaux textes, notamment chez les Ostrogoths, de gens qui commencent à écrire leur papyrus en Ostrogoth, qui font énormément de fautes d'orthographe et qui, au bout de trois lignes, se mettent à passer en latin. Et on voit l'écriture qui va beaucoup plus vite parce que c'est leur langue naturelle. Et on a l'impression que beaucoup de nos pseudo-barbares sont en fait des Romains qui, pour éviter le déclassement, changer d'identité. Ils se sont fait passer pour des envahisseurs, ils se sont fait passer pour les conquérants,
de façon à pouvoir être effectivement du bon côté du manche. Et quand on regarde les sépultures et toutes ces traces qui semblent être des traces de paganisme, cette idée que l'on trouvait chez Augustin Thierry, qu'on a un paganisme fondateur, un paganisme fondamental dans ces populations, on peut beaucoup en douter. Au-dessus de la tombe que je vous ai montrée, a été construite au milieu du 6e siècle une église chrétienne, avec un autel, avec des reliques. Et il est bien possible que l'homme qui a été enterré là était chrétien. Quand on regarde les bagues qu'il portait, ce sont des bagues à décor cruciforme, qui laissent supposer que, indiscutablement, on a affaire à beaucoup d'envahisseurs qui sont déjà des chrétiens. Autant dire que quand Clovis choisit le baptême, ces hommes sont sans doute à plus de 50% déjà des chrétiens. Bref, quand vous posez la question de l'unité des peuples germaniques, il n'y a plus beaucoup de sang. La loi, c'est une loi qui est toujours rédigée en latin. La loi Salique, c'est un très beau texte, mais rédigée en latin avec 95% d'emprunt au droit impérial. Reste 5% peut-être de droit germanique. La langue, pas beaucoup de langue francique. La frontière linguistique, elle n'a pas changé avec les grandes invasions. La culture matérielle, c'est des objets essentiellement romains. La religion, on en doute. Quant à la famille royale, la généalogie longue, tous les rois ont toujours prétendu que depuis toujours dans la famille on est roi, mais on peut y croire ou ne pas y croire. Et si Clovis prétend que son arrière-grand-père était un monstre marin sorti de la mer du Nord, Jules César prétendait que son ancêtre c'était la déesse Vénus. Ça paraît normal d'expliquer qu'on a bien un dieu dans la famille. Finalement, vous pouvez supposer qu'il y a bien quelques barbares, mais très très peu nombreux, des chefs. Vous avez énormément de Romains, et puis que les Romains, pour s'adapter à un monde qui est en profonde mutation, se déguisent en barbares et s'adaptent à un monde qui est changeant. C'est une situation que l'on connaît à d'autres époques. Autour de l'an 400, on connaît très bien le personnel dirigeant de l'Empire. Autour de l'an 400, tous les grands titulaires d'offices militaires sont des barbares. Tous les généraux de l'armée romaine sont des barbares autour de l'an 400. Mais ils ne le disent pas. Ici, vous avez la représentation du grand général Stilicon, régent de l'Empire d'Occident pendant plus de 15 ans, l'homme qui a tenu Rome contre les armées d'Alaric pendant plus de 15 ans. Stilicon se fait représenter comme le grand général romain de haute tradition. Mais Stilicon, ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il est membre du peuple des Vandales. Ces gens-là ont changé d'identité, des barbares se sont fait embaucher par les armées romaines et ont dissimulé totalement leur identité. Mais il n'est pas impossible de penser qu'autour de 500, un siècle plus tard, vous avez beaucoup de Romains qui ont changé d'identité pour devenir barbares, parce qu'à ce moment-là, c'était plus intéressant. Vous avez par exemple une grande famille qu'on connaît en Champagne, en France, qui s'appelle la famille des Loupis, qui s'appelle Lupus de père en fils, loup en français. Jusqu'au moment où, au 6e siècle, ils trouvent que Lupus, c'est pas extraordinaire comme nom, ils se font appeler Wolf. Et à partir de ce moment-là, tous portent des noms germaniques et se prétendent francs. Est-ce qu'ils l'étaient, est-ce qu'ils l'étaient pas? C'est des gens qui ont changé de stratégie. Alors pourquoi est-ce qu'on a développé ces théories? Encore une fois, peut-être pas parce que c'est vrai ce que je vous raconte, mais parce que ça correspond à notre monde. Lorsque l'Afrique a connu la décolonisation à partir des années 1950, vous avez eu la création de nouvelles identités. Pensez à la Côte d'Ivoire, tous les débats autour de l'ivoirité, alors que la Côte d'Ivoire n'a pas 60 ans d'existence. Il n'y a pas d'Ivoiriens il y a un siècle, et aujourd'hui, il y a des Ivoiriens. On peut, selon les moments, selon les besoins, changer rapidement d'identité, et cette identité fait sens au point qu'il y a une longue guerre civile, une atroce guerre civile, autour du concept même d'ivoirité. Et nos barbares vont effectivement se battre pour savoir qui est franc et qui n'est pas franc à partir du 6e siècle. Tout ce que je vous dis est donc finalement relativement décevant, c'est-à-dire que l'archéologie non plus ne me permet pas de dire s'il y a eu vraiment des très grandes invasions ou pas du tout d'invasions. Je termine, mais cette fois-là en 5 minutes promis, pour se demander finalement pourquoi, si on n'est pas certain qu'il y a eu des invasions, on a affirmé au 6e, 7e siècle, lorsque les grands historiens commencent à écrire l'histoire, que, indiscutablement, à l'origine de chaque peuple, il y a eu une race d'envahisseurs. Pourquoi est-ce que ces cartes s'appuient quand même sur des textes, postérieurs d'un siècle à l'invasion ou à la non-invasion, mais des textes réels? Prenons un cas tout simple. C'est l'Angleterre. Pour être exact, la province romaine de Britannia. Province romaine tout à fait normale au IVe siècle. Vous avez une province romaine, chrétienne, avec des cités, une vie tout à fait ordinaire. La province s'effondre totalement sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social,
au cours du 5e siècle. Une dévastation totale, la crise économique qui ruine tout. À tel point que c'est le seul endroit d'Occident que l'on connaisse qui a perdu l'usage de l'écriture. Ils ne savent plus écrire, ils ne savent plus utiliser le tour de potier, alors que c'est une des premières technologies quand même qui existe. Ben oui, on vivait dans une économie mondialisée à Rome. Quand vous aviez besoin de poterie au 4e siècle, vous importez. Quand l'économie s'arrête, tout s'effondre et vous ne savez plus faire de poterie. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ben, à la place du monde romain, au 6e siècle, vous voyez apparaître des petits royaumes, des petites chefferies, ceux qu'on appelle les royaumes gallois et les royaumes anglo-saxons, qui se réunissent autour des nouveaux hommes forts, quelques barbares venus de continents, quelques gallois qui sont issus de tribus traditionnelles. Mais ce que vont raconter les historiens, et notamment Bède le Vénérable, qui est le grand historien d'Angleterre au 8e siècle, Bède le Vénérable explique que c'est tout à fait normal parce qu'il y a eu invasion. Bède le Vénérable explique qu'il y a eu des milliers et des milliers d'Angles et de Saxons qui ont envahi la Britannia et que donc les populations locales ont été massacrées et que des païens venus du continent ont pris le pouvoir. Et c'est pour ça qu'il y a eu des royaumes païens. Bon, Bède le Vénérable est un moine local. Il peut difficilement dire que ses ancêtres ont des gens qui ont été complètement abandonnés par Rome, qui se sont effondrés, tellement effondrés qu'ils ont perdu confiance en Dieu, qu'ils se sont retournés vers le paganisme et qu'ils se sont transformés pour devenir des barbares. Il vaut mieux expliquer qu'on vient de barbares d'outre-Manche, des gens qui viennent de loin, sauvages mais dynamiques. Pourquoi ? Ben parce que Bède le Vénérable, il a lu, comme toujours, les sources. Il a appris à lire dans deux textes, comme tout le monde apprend à lire dans deux textes. Dans l'Ancien Testament, ça explique que tous les peuples doivent migrer, traverser une étendue de mer pour retrouver la terre promise. Ben là, ce n'est pas la mer Rouge, c'est la mer du Nord. Et il a lu également l'Énéide de Virgile, qui explique que pour fonder des royaumes, il faut traverser la mer, la Méditerranée, arriver dans un espace nouveau où l'on va fonder une cité promise. C'est l'histoire d'Énée. Que va nous transposer ici Bède le Vénérable pour expliquer que, indiscutablement, les anglo-saxons, ce n'est pas les locaux qui se sont transformés, ce sont des envahisseurs. Et quand vous regardez les objets de la culture matérielle que vous avez dans l'Angleterre anglo-saxonne, vous avez des très beaux coffrets qui ont beaucoup fait fantasmer au 19e siècle. On a dit traces de paganisme, c'est absolument des rites magiques, ça vient forcément de Scandinavie. Alors c'est vrai qu'il y a des runes, c'est vrai qu'il y a l'écriture germanique, mais quand vous regardez ce que représente le panneau d'ivoire, vous voyez au centre une louve avec deux bébés qui sont en train de téter, c'est Romulus et Rémus. Ces gens-là vivent dans un monde romain. Alors, je sais bien que la louve est inversée par rapport à la représentation classique. C'est un monde romain évolutif, si vous voulez, mais la pensée est encore romaine. Et puis, sur l'autre côté du panneau d'ivoire, vous avez la représentation de la fuite des Hébreux et de leur départ vers Jérusalem. C'est un monde qui est également chrétien. Alors, bien entendu, il prétend être autre chose. Sur le quatrième côté, vous avez la représentation du forgeron qui est en train de fabriquer l'épée de Siegfried. Donc on prétend être venu de Scandinavie, oui, on a des mythes qui viennent de là-bas. Mais sur le côté droit, vous avez la représentation des trois rois mages qui viennent adorer la Vierge Marie. Et vous voyez qu'on pense tellement latin que comme on ne sait pas dire les rois mages en langue germanique, vous voyez le graveur qui a écrit les mages, Maxi, en écrivant ça en latin, mais en faisant des fausses runes germaniques pour que ça ait l'air de venir un peu de loin. Conclusion, difficilement faisable cette conclusion, pour vous dire que l'idée des grandes invasions, elle est présente, elle n'est pas forcément fausse. Hein. Les troubles militaires, les massacres, les dévastations, la transformation économique, l'effondrement d'une civilisation, on peut argumenter. Par contre, le problème, c'est que l'idée de grandes invasions, ça recouvre plusieurs choses. Il y a eu des migrations réelles, il y a des gens qui sont déplacés, c'est vrai. Il y a eu des changements géopolitiques, c'est-à-dire qu'il y a des empires qui se sont effondrés, des royaumes qui sont apparus. Il y a eu des changements de culture matérielle, on ne s'habille pas de la même façon en 400 et en 600. Il y a eu des recompositions identitaires, il y a eu des changements idéologiques, et il y a eu une gestion mémorielle de tout ça. Mais ça ne veut pas dire que tout ça, ça soit les grandes invasions. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a eu des migrations qu'il y a eu un changement identitaire. Ce n'est pas les migrants qui ont changé l'identité, ce sont les locaux qui ont accepté de se transformer parce qu'ils en avaient besoin. Ce n'est pas non plus parce que vous avez des armes dans les tombes que vous avez la preuve d'envahisseurs. Simplement, à partir de l'an 400, tout le monde dans l'Empire romain a toujours été armé. Et d'une certaine façon, ce n'est pas parce qu'il y a une gestion mémorielle, c'est-à-dire ce n'est pas parce qu'au 7e siècle, on a entretenu la mémoire des grandes invasions,
que la mémoire s'appuyait sur des réalités. Le plus bel exemple, c'est l'histoire des crânes à boire. Vous avez cette image du bavard qui boit son hydromel dans un crâne à boire. Et effectivement, au 7e siècle, vous avez des chroniqueurs qui nous disent « Les Lombards avaient des crânes à boire et combien de fois je n'ai pas vu mon roi, le roi des Lombards, boire dans un crâne à boire qu'il avait trouvé du côté de la Pannonie et c'était un objet qui venait de ses ancêtres parce que les Lombards ont toujours bu dans les crânes à boire. » Peut-être que le roi des Lombards au 7e siècle avait un crâne à boire, mais pourquoi est-ce que le chroniqueur le dit ? Parce que Hérodote, le père de l'histoire, avait dit que tous les gens vivant au nord du Danube buvaient des crânes à boire. Et Hérodote ne pouvant pas se tromper, tous les barbares venant de là devaient avoir des crânes à boire. Et donc, au 7e siècle, les descendants des supposés barbares, pour se trouver un passé et justifier l'idée qu'il y a eu invasion, cette invasion qui leur donne le pouvoir, bien sans doute, ont fait fabriquer des crânes à boire. Et donc, cet automatique, ce qui fait ces fausses antiquités gauloises pour les vendre aux Romains, n'est pas une idée nouvelle. Vous êtes barbare parce que vous vous montrez barbare. Ensuite, qui sont vos ancêtres ? Est-ce qu'ils viennent de Scandinavie, de Germanie ? Est-ce que ce sont des locaux transformés ? Sans doute, est-ce que ce n'avait pas beaucoup d'importance ? L'important, c'est le besoin du moment. Soit vous rêvez de Clovis tuant tout le monde, soit du bon roi Dagobert, de gentils barbares ou de mauvais barbares, selon votre besoin, vous avez votre barbare. Et je vous remercie.